Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Après mes premiers contacts frontaux avec Zen fin 2016, comme il m'a dit qu'il souhaitait aider et travailler avec moi, je lui ai demandé s'il pouvait me décrire en détail les différentes personnes extraterrestres qui l'entouraient et tout ce qui les concerne. Nous avons commencé à travailler ensemble 2 à 4 heures par jour sur les descriptions de ces personnes extraterrestres qui comprenaient notamment celles qui avaient un siège dans le Haut Conseil Andromédien et qui sont les suivants: les Agartiens, les Alfratiens, les Andromédiens, les Antariens, les Arcturiens, les Étortans, les Lyriens, les Pléiadiens, les Syriens, les Urmas, les Humites et les Vénusiens. Mais également les très nombreuses flottes terrestres et extraterrestres qui évoluent autour et dans le cosmoport andromédien Viera, y compris les reptiliens alpha draconiens, les dragons, et les reptiliens draconiens, ceux que vous appelez les reptiles. Dès janvier 2017, alors qu'il me donnait les détails d'une centaine de races humanoïdes ou exomorphes, j'ai immédiatement créé un tableur avec environ 2500 entrées et des dizaines de pages que j'enregistrais au fur et à mesure de l'avancement de notre travail. Je suis Tim de Space News. Nous ouvrons aujourd'hui le 5e volet sur la thématique des enfants terrestres et extraterrestres, et je vais vous parler de la manière dont les extraterrestres gèrent et éduquent leurs enfants. Comment les enfants grandissent-ils? Je vais utiliser pour cette présentation des extraits de mon second livre, Artificiel, qui contient beaucoup d'autres informations que Zen m'a données. C'est le monde extraterrestre raconté, décrit et expliqué par un extraterrestre. Si vous êtes intéressé par la thématique, je vous conseille vivement de le lire. Cela vous permettra d'ouvrir la porte au monde extraterrestre tel qu'il est et tel qu'il n'a jamais été décrit auparavant et qui provient des extraterrestres eux-mêmes. Il en est de même d'ailleurs pour mon 3e livre, Premier Contact. Les biosphères andromédiennes ont toutes 2 ponts, un pont maritime en dessous, avec la mer, des vagues, la flore et la faune maritime, et un pont rural au-dessus, avec sa flore et sa faune, et tout en haut, une zone atmosphérique et météorologique, sous le centre de commande qui se trouve à côté d'un planétarium à ciel ouvert. Le vaisseau est creux, bien sûr, pour contenir tout ce que je viens de décrire. L'espace entre la coque extérieure et la coque intérieure est de 20 km de chaque côté. Les cloisons intérieures font 5 km d'épaisseur. 5 km d'épaisseur. Des espaces d'habitation et des salles individuelles y sont aménagés, ainsi que les habitats andromédiens qui sont séparés du reste dans une zone sécurisée, dans des complexes immobiliers qui s'étendent d'un seul tenant sur des centaines de kilomètres, comme 2 immenses murs à l'intérieur, surplombant les zones rurales et maritimes sur des dizaines de kilomètres de hauteur. C'est absolument gigantesque. Les différents ponts et zones sont remplis d'enfants de toutes les races qui évoluent avec leurs parents et qui se côtoient, les enfants extraterrestres en général et les enfants andromédiens en particulier ont tendance à se méfier des terriens parce qu'ils ont été éduqués ainsi. Comme leurs parents se méfient des terriens, les enfants se méfient également des terriens. On reconnaît les enfants andromédiens à la couleur bleu foncé de leur peau.
les parents leur apprennent petit à petit qu'il existe différents mondes et de très nombreuses races et que les terriens en font partie. Grâce à la technologie holographique, ils leur apprennent à comprendre les terriens et à interagir avec eux en mettant en place des bulles d'immersion où les enfants peuvent apprendre de manière sécurisée avec des hologrammes. Dans les zones andromédiennes qui comportent des écoles, il y a un silence absolu, car les enfants ont développé, grâce à leurs parents et à leur éducation, une maîtrise de soi que beaucoup de terriens plus âgés leur envieraient. Ils ressentent des émotions, mais ne les expriment pas de la même manière que sur Terre. Il y a d'ailleurs un genre de compétition entre les différentes races extraterrestres. Celles qui sont les moins émotives sont en général considérées comme les plus accomplies. Les enfants ne sont pas expressifs à la manière des enfants terriens. Ils ne courent pas et ne sautent pas partout comme le font les enfants dans les familles ou dans les écoles sur Terre. Ils sourient beaucoup, mais ils ne rient pas à gorge déployée. Dans les classes, tout est silencieux. C'est comme si vous alliez à une classe complètement silencieuse. Les enseignants sont des androgynes. Il y a trois genres chez les andromédiens. Les hommes, les femmes excessivement féminines et les androgynes. Chez les humites, comme l'explique leur lettre D41 trait d'union 7, adressée à l'un de leurs contactés espagnols, qui s'appelle Fernando Sesma Manzano, cette maîtrise de soi s'apprend dès la naissance et ne vient pas, comme sur Terre, de conduite morale conditionnée par la crainte que produisent les effets coercitifs des lois ou des religions. Les technologies très avancées et la gestion de leur planète par une intelligence artificielle sont considérées par les humites comme des moyens auxiliaires qui les aident dans leur recherche intellectuelle, morale et spirituelle et les aident à aimer leur réseau social planétaire. Tout comme les terriens, ils ont des réflexes conditionnés qui dirigent leur conduite, mais ils sont rationnels et logiques. Ces réflexes ne les font pas souffrir comme sur Terre, ni ne les empêchent de réagir avec une grande liberté et avec une riche vie intérieure dans les multiples facettes de leur conduite quotidienne. Pendant leur enfance, leur adolescence et l'âge adulte, ils utilisent les jeux orientés vers le développement intégral d'un enfant depuis sa naissance qu'ils créent et étudient avec une extrême attention, car ils soulignent qu'une personne dont l'esprit a été endommagé dans sa jeunesse ou dans son enfance, ne pourra équilibrer son psychisme dans la période adulte. Fort heureusement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette conclusion, car le psychisme, s'il n'a pas été endommagé de manière irréversible, peut être rééquilibré par la pratique de techniques rigoureuses de méditation. J'en parle en tout état de cause, car je les pratique depuis plus de 50 ans. Les mères allaitent leurs enfants, puis elles s'éloignent et laissent leur enfant dans une pénombre intense. Il apprend alors à fixer l'écran qui se situe dans le plafond de son berceau en forme de calotte où il se trouve et qui vont conditionner l'enfant par des formes visuelles qui seront de plus en plus complexes. Des sons parfaitement synchronisés avec des stimuli olfactifs. À l'âge de 13 ans et demi, tous les enfants doivent se soumettre à la troisième analyse de sa vie, beaucoup plus complète que les deux précédentes, dans un centre spécial d'études psychologiques. Le caractère individualisé de tel test part du principe que si chaque homme est une individualité complexe avec sa propre mentalité, sa propre évolution et son propre développement de traits typiques, il résultera qu'il est absurde de standardiser les règles de jeu
en établissant des normes standards. On y évalue toutes ses facultés mentales et intellectuelles, mais aussi celles concernant l'affectivité et sa structure neuronale. Et c'est de cette façon qu'à la fin de leurs études, 120 enfants seront sélectionnés et accéderont à des postes clés dans la société humaine. Or, ce qui est suivi sur Terre et que l'on nomme tendance sont précisément des normes de standardisation et de normalisation allant de la croyance aux vêtements, à la manière de se nourrir ou à la manière de se comporter. Je vous retrouve très bientôt pour le volet 6, le dernier de cette série consacrée aux enfants terrestres et extraterrestres. C'est le dossier spécial de la série qui sera sur l'enfance de Zen, sa famille, ses parents, son lieu d'habitation et la manière dont il a grandi. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.